Commandant Shepard. Veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Des problèmes pour payer vos impôts? Essayez les services financiers de Castle. Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des guettes, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration guettes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. J'ai pas l'impression que les guettes soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes mort. J'ai été porté disparu il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Vous le trouverez de l'autre côté des scanners, sur votre droite. Il va falloir le... Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Vous ne craignez pas que je sois un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Ça m'irait très bien. Voilà, vous pouvez y aller. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les Veilleurs nous ont tapé ça en moins de 2. C'est le secteur Taïseri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Je dois parler au Conseil. Pour aller au Présidium d'ici, c'est par où? Passez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les 4 autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là, et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les guettes ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu. On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression. Ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois,
Il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ravi de vous revoir, Shepard. La Citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de transport du secteur Zakera. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, bienvenue à la Citadelle. Vu que ces boutiques sont la propriété du Conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise ? Oui, tout à fait. Quel est votre poste ? Je suis un ancien spectre. Ça alors ? Je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner. Cela dit, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise. Un peu de pub de l'homme qui a vaincu sa reine, ça vous dirait ? Vous êtes Shepard ? Juste au ciel. Oui, ça augmenterait mes recettes. Je peux bien vous consentir une ristourne. Vous voulez que je fasse quoi ? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Formidable. J'indique à mon IV d'ajouter ça immédiatement à notre marketing. C'est quoi ? Faudrait que l'âme du président s'agrouille de poisson. Mais non, voyons. Non, je me fais refouler par le SSC. Galaxy of Fantasy. Il est terrible ce jeu. C'est basé sur la mythologie turienne, mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de... Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Kalissa bin Sinan al-Gilani pour Westerloon News. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Vous vous êtes défilé au beau milieu de l'interview. Beaucoup d'humains en ont déduit que le Conseil leur cachait quelque chose. Vous auriez une minute? Vous essayez encore de me salir ? Allons, Shepard. Vous pouvez contester mes méthodes, mais nous sommes dans le même camp. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il appuie le Destiny Ascension, une manœuvre qui a coûté la vie à des centaines d'humains et assuré la pérennité du Conseil. Les Turiens ont perdu 20 croiseurs, avec chacun 300 hommes d'équipage à leur bord. L'Ascension embarquait un équipage de presque 10 000 Asari. Mais le coût en vie humaine... L'Alliance a perdu 8 croiseurs. Le Shenyang, l'Emden, le Jakarta, le Kero, le Séoul... Le Cape Town, le Warsaw et le Madrid. Je n'en ai oublié aucun. Tous les membres de la 5e flotte sont des héros. L'Alliance leur doit des médailles. Le Conseil leur doit bien plus que ça encore. Vous leur devez plus que ça. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission. Cet entretien serait plus productif si Udina consentait à nous rejoindre. Mon assistant est indisponible. En tant que conseiller, je représente la voix de l'humanité et de l'Alliance. Shepard arrivera d'ici... Ah, commandant, nous parlions justement de vous. Ça faisait un bail, Anderson. J'espère que vous avez profité de ces 2 dernières années. J'ai eu des hauts et des bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons entendu bien des rumeurs concernant votre retour inopiné. Certaines sont préoccupantes.
Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, Shepard. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et ses guettes. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les systèmes Terminus sont hors de notre juridiction. Vos colons ont quitté l'espace concilien en toute connaissance de cause. Vous omettez le plus important, conseiller. Les moissonneurs sont impliqués. Ah oui, les moissonneurs. Ces vaisseaux immortels doués de conscience qui, à vous croire, sommeilleraient dans l'abîme. Nous avons déjà statué sur et rejeté ces allégations. Shepard, personne d'autre que vous n'a rencontré l'hologramme sur Ilos qui vous a révélé l'existence des moissonneurs. Vos coéquipiers et vous avez été les seuls à parler à Sovereign. Je vous crois. Mais en l'absence d'une deuxième source pour corroborer vos dires, les autres pensent que c'était Saren qui menait l'attaque des guettes. Retournez parler à Vigil sur Ilos, ou bien examinez les restes de Sovereign. C'est une technologie bien plus avancée que la nôtre, ça crève les yeux. L'hologramme sur Ilos n'est plus fonctionnel, et nous n'avons rien trouvé qui indique que Sovereign n'était pas une création des guettes. Les guettes sont capables de véritables prouesses technologiques. C'est sans doute pour cela que Saren les a recrutées. Cette théorie des moissonneurs ne fait que mettre en évidence votre fragilité mentale. Vous avez été manipulé par Cerberus d'une part, mais aussi par Saren. Saren était un organique. Les guettes ne l'auraient jamais accepté comme chef. S'ils l'ont suivi, c'est uniquement parce que c'était l'agent de Sovereign. Saren dégageait un charisme, une force de persuasion rare. Il a convaincu les guettes de l'existence des moissonneurs, tout comme il vous a convaincu, vous. C'était un élément comme un autre dans sa stratégie d'attaque de la citadelle. Les moissonneurs ne sont qu'un mythe. Un mythe que vous vous acharnez à perpétuer. Vous croyez à ce que vous dites, mais sincérité n'est pas gage de véracité. J'ai empêché Saren de conquérir la citadelle. J'ai sacrifié des vies humaines pour sauver ce conseil. Comprenez notre position, Shepard. En vous alliant à Cerberus, un ennemi avoué du Conseil, vous êtes passible de haute trahison. Vous allez trop loin. Shepard est un héros. En tant que membre de ce Conseil, je ne tolérerai pas cette mascarade. Nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Sans pour autant vous soutenir publiquement, nous pourrions vous fournir un appui indirect. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. Qu'est-ce que ça implique? Il va falloir que je vous fasse des rapports? Ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit d'un témoignage de bonne volonté de notre part. Nous ne pouvons pas soutenir de front une enquête sur la disparition des colonies Terminus. Mais en vous réintégrant en tant que spectre, nous vous témoignons notre soutien personnel. J'accepte votre offre. Je suis heureux que le Conseil soit de mon côté. Bonne chance dans votre enquête, Shepard. Nous espérons qu'elle sera vite résolue et que vous vous affranchirez rapidement de Cerberus. Bon, ça s'est mieux passé que je pensais. Vous êtes bien conscient que l'offre du Conseil est purement symbolique. Ils ne lèveront pas le petit doigt. Même s'ils refusent de m'aider, autant rester en bon terme. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour le Conseil ou l'Alliance. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils vous lâchent la grappe. Tant que vous restez dans les systèmes Terminus, ça ne devrait pas poser de problème. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'ai invité Shepard à une audience avec le Conseil. Nous venons de terminer notre entrevue. Vous avez quoi? Conseiller, les mots bourbier politique ont-ils seulement un sens pour vous? Le Conseil a rétabli mon statut de spectre, du moment que je reste dans les systèmes Terminus. Oui, je comprends l'intérêt de cet accord pour les deux parties. Mais vous n'auriez jamais dû en arriver là sans m'en informer au préalable, Conseiller. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Odina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place.
Pourquoi est-ce que vous le gardez ? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état ? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Geth. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les Geth se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie ? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Oubliez Udina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudent. Cerberus n'est pas digne de confiance.